pour les équipements. Les gilets jaunes sont demandés auprès du camion, les gilets jaunes. Donc on a des gilets jaunes qui sont là pour la sécurité. Donc on va vous demander de faire très attention à eux. Ils vont remonter les fils de façon à pouvoir bloquer le convoi au niveau du carrefour. Donc on va vous demander de vous serrer à droite, de rouler en quinconce parce qu'on est extrêmement nombreux. Je pense qu'on est facile 200 bécanes aujourd'hui. Donc ça va être chaud. On va être à peu près 200 motos cette année vu les conditions météo qui sont excellentes. Et comme chaque année, on remettra un jouet cette année au Resto du Cœur. Alors donc là on repart du parc d'expo comme tous les ans, on descend direction le Leclerc de Saint-Benoît et ensuite on reprendra direction le Faubourg Pont-Neuf pour pouvoir ensuite rattraper le centre-ville et grosso modo descendre la gare, direction le Haut-Champ, ensuite on va rattraper direction rue de la Cassette pour finir au Resto du Cœur à la demi-lune. Alors en fait l'opération à la base est faite pour donner une meilleure image des motards parce qu'on a toujours l'habitude d'entendre dire les blousons noirs, les motards sont toujours un peu virulents sur la route. Donc pour donner une meilleure image, on a dit pourquoi pas les Pères Noël et en même temps donc la bonne action en distribuant des jouets à des œuvres caritatives. Bah, c'est devenu une balade qui est... c'est la quatrième, donc c'est de plus en plus connu. On espère avoir de plus en plus de monde, plus en plus de jouets, surtout pour les enfants. Et donc tout le monde se prête au jeu et est prêt à faire le don pour la bonne cause. À bientôt, la semaine prochaine. Soyez sages, on arrive.